Allez, maintenant, les gars, faut faire passement full victoire. Allez. Oh, quelle frappe. Bien joué. Oh, j'ai de la chance là. Bayus, c'est pas si dur, difficile que ça. C'est juste les défis redivisés. Et là, j'ai perdu une séance de péno. Oh la vache. Oh là là. Oh là là. Oh la violence du but. Allez, il me faut encore deux victoires et de la peine et je suis bon. Oh Marais, c'est trop le football. Eh, le casse-paqueta, je trouve vraiment bon au milieu. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, qui l'ont testé aussi. Hors-jeu. Oh, dommage. Oui. Non. Ah bah oui, moi je crois qu'il n'y a pas hors-jeu là. Il n'y a pas hors-jeu là. On prend. Bah du coup les gars, j'ai fait tous mes défis Eurodivisie et Première Ligue. Du coup, on va ouvrir deux packs 5 joueurs 85+, et un pack 10 joueurs 85+. Donc techniquement, c'est 85+, fois 20. Est-ce que ça valait le coup? On va voir ça tout de suite, sachant que j'ai été extrêmement chanceux dans mon 85x10 tout à l'heure. Je pourrais pas me plaindre. La limite, mon Future Champions, il est déjà beaucoup plus que rentable. Voilà. Ok, ouais, c'est pas un bon pack là. Voilà, le 85x5, pas dingue. Allez, Vince, ouvre-moi le deuxième. Allez, bon courage, mon frérot. Merci, Liam. Allez, Mahrez, je le trouve très très fort. Mahrez, il est très très fort en double 5. Très sympa. Tony Kroos. C'est en doublon, ça, je crois. J'en connais là. Je pense pas que ce soit doublon. Allez. Ouf. Pas de shapeshifter. Il faut au moins un shapeshifter dans le 85x10. Allez, les gars, le pack 85+x10. Allez, j'aimerais bien voir au moins, même si je sais que les shapeshifters sont pas là, une icône derrière. Ouais, icône shapeshifter, j'aimerais bien, moi. J'aimerais même tester Eto double 5. Allez, derrière Yann Oblak, il y aura. Est-ce que ça valait le coup de faire les défis? Yes, Giroud DC, yes. Bah, en vrai, ça donne des fodeurs, quoi. Ça valait le coup. Pour moi, ça valait le coup. Alors, les gars, officiellement sur 20, l'équipe, c'est combien, les gars? Par les factos. Elle est incroyable, hein. 20, 17. Sachant, hormis De Jong et Koundé, c'est full invendable. Moi, franchement, 16,75 grand max. Oh, ouais. Je suis pas aigri. On sait reconnaître un Vincent aigri. Je suis pas aigri. Les gars, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va terminer le Future Champions avec cette équipe monstrueuse. Au niveau des tactiques perso, ça va donner 4-2-2-2. In-game, je vais jouer avec Dembélé, Neuer devant. C'est effrayant de dire ça. Neuer buteur, Mahrez sur le côté avec Nkunku. Au milieu de terrain, ça sera Kimmich, De Jong, Jules Koundé, Ruben Dias, derrière Zaha et Alphonso Davies. Les gars, franchement, cette équipe, ça va être la régalade. Après, Dembouz, ça rajoute au moins 3 points dans la team, dans la note de team. En vrai, ouais, je pense que Dembouz, en plus, il est ultra rare. Là, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Avec les défis, c'était pas, le ratio, il est pas top. Là, il faut augmenter tout ça. My goat. Allez, Dembouz. Bien joué, les gamins. Bien joué, Dem. Regarde-moi cette action de football. T'as vu cette action de football? Non, j'ai même pas vu. T'as vu comment j'ai attendu et j'ai fait revenir en arrière, tac, 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 et j'attendais juste Dembouz fasse son appel devant. Oh, bien joué. Oh là 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 là. Ce geste technique. Ça, ce geste technique-là, il faut vraiment savoir le faire, les gars. C'est L1 et il. L1 est fan de frappe, ouais. Enfin, L1 pas fan de frappe, mais il tout il, ouais. Merci à toi, Zenith, pour ton abonnement. Merci, mon prince. Oh là 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 là. Je lui ai dit vas-y continue. Sorry bro, sorry. Sorry Greg, sorry. Oh la vitesse de Dembouz. Les gars, vous avez vu la vitesse de Dembouz, comment il est parti? Tous ceux qui sont en division 8 te le diront, il n'y a rien de fun à faire les élites. Hey, Talisca, c'est trop les émotions, ce joueur. Oui, Harry Kane.
d'ailleurs. Oh là là, oh là là. Bien joué, Liam. Dembouze dans la finition, c'est fort. Hein. Dembouze dans la finition, c'est très très fort, je trouve. Quel karma. Dembouze, par contre, ses tirs, ils sont connectés. Oh, oui. Oh là 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 là. Tiens. Bien joué, putain. C'est fou. Les gars, les deux buteurs dans ce match, c'est des gardiens. Les gars, quelle période vous préférez? Entre le Black Friday, la Totti ou Fut Birthday? Totti. Entre ces trois périodes-là, laquelle vous préférez? La Totti. La Totti, quand ça se douche pas et quand t'es en train de bosser les renforts, ça a une odeur particulière. Non mais si tu fais une superbe saison bien... Oh là là. Mais oui, il y a Verratti. Il s'est pris une balle. Ah, il est tombé bizarrement. J'ai vu un supporter lui jeter une... Il y avait une bouteille. Il y avait une bouteille là, chef. Comment ça, on voit cette bouteille là près des... près du joueur. Comment ça se fait? Le goal sort pas. Bien joué, Liam. Fait que des bénévoles. C'est Metadopoulos les refs en face, par contre c'est effrayant ça. Oh, l'équipe de taré. Ça se voit, lui, il kiffe le shapeshifter. Oh, quel passe. Bien joué, gars. Oh, bah, j'ai pas fini, attention. Mais ça fait quoi, 14-4? Allez, faut que je fasse deux matchs de victoire. Levé, est-ce que tu faisais la technique du string dans les toboggans pour glisser plus vite? Non, non, Mani. Par contre, à un moment, je me suis défoncé. On était dans les bois à deux, les frères. C'est pas à un moment. En fait, on fait un toboggan dans les bois à deux. Et il y a Liam, c'était quand on était avec moi. Et en gros, dans les trucs de toboggan à deux, en gros, moi je suis à l'arrière et Liam il est devant. Et Liam il se met d'abord, il s'assoit. Moi je suis à l'arrière et c'est pas avec le courant d'eau. En fait, la bouée elle avance. Et c'est dans un toboggan qui fait à moitié peur, il fallait vraiment être sur la bouée, tu vois. Parce qu'après, quand si t'es pas sur la bouée, genre ça t'arrache la peau, tu vois. Et en fait, le truc c'est que moi j'essaie pendant, franchement les gars, je vous mens pas, pendant 20 secondes, j'essaie de mettre sur la bouée et tout, je suis comme ça. C'est moi, Liam, c'est parce qu'il y a le courant qui m'emporte un peu. Et Liam, il est comme ça, il se tient comme ça. Il y a même aussi Polak et je crois que c'était Palem ou Rocky qui essaient de retenir la bouée. On pouvait pas, le courant il arrivait tellement vite. Et là, un moment, du coup, la bouée elle part sans moi. Et moi, je me dis, vas-y, tant pis, tu vois, j'y vais quand même. Et les gars, je vous dis, je me suis arraché le dos. Il avait le dos tout rouge derrière. Ah, je me suis arraché le dos, vraiment pour le coup. Parce que tu sais, les toboggans, c'est des. Et en fait, c'est des sortes de tubes empalés les uns après les autres, tu vois. Et en fait, à chaque petit tube que tu passais, tu sais, ça te détruit le dos. Et j'avais archi mal au dos, les gars. Pendant 30 secondes, c'était Et il fallait vraiment pour le coup s'avouer, tu vois. Non, pour le coup, j'avais vraiment eu mal, tu vois. Mais c'est le seul truc, entre guillemets, relou dire. Oh la patate! Ouais. Il y a un moment, ça fait 10 secondes, ils sont partis, t'y vas. Hein. T'attends pas que la lumière tourne au vert. À un moment, les gars, avec Palem, on a fait un toboggan avec Palem, les gars. Il va vous raconter ça. Effrayant. Oh. Effrayant, les gars. Il y a Artigno qui est dehors, qui reste dehors. Avec Palem, Polak. Rocky était déjà parti à ce moment. Ouais, il était déjà parti, Rocky. Donc, moi, je fais un toboggan avec Palem, Polak et Vincent, et voilà, on est 4. Et c'est du 2 et 2. Avec Palem, on y va en premier. Et c'est un toboggan en gros à l'intérieur. Genre il y a un c'est sort de tourbillon. À l'extérieur. Et ce qui se passe les gars dans le tourbillon, il y a vraiment, faut vraiment pour le coup je pense respecter les entre guillemets la distance mais les
la lumière quand elle part. Il n'y avait pas de maître nageur. Là, je vais me prendre un but. Le truc, c'est que là, il fallait vraiment attendre la lumière verte parce qu'en fait, quand t'es le tourbillon, tu tournes. Non, en vrai, les gars, on va vous montrer, c'est plus facile parce que là, c'est dur à expliquer. Quand tu tournes, en fait, t'as le trou, t'as le toboggan qui arrive et tu tournes autour. Et à un moment, on fait un tour et là, on avait peur qu'ils arrivaient. Ils seraient venus, genre directement, direct sur nous. Pendant que nous, on était en train de faire le tourbillon. Ouais, faut que vous le montrez. Par contre, il y a même aussi un moment, les gars, Palem, il a aussi failli se déchirer le genou. Là, vraiment, pour le coup, les gars, là aussi, ça aurait pu tourner un peu mal. De toute façon, tu sais, quand tu fais un truc à 5-6 gars, il y a toujours un moment où ça peut déraper. Dans un sens où il peut avoir un accident et tout. Quand je dis parc aquatique, toboggan, ta première image en tête, c'est des toboggans extérieurs où ça tombe comme ça. C'est le truc en mode pare-vague comme ça, en mode course, c'est des trucs côte à côte. Et en fait là, on était 5 à ce moment-là. Rocky était déjà parti aussi. Et on décide de faire une course à l'extérieur sur le toboggan. Et donc moi je pars en premier. Derrière moi il y aura Palem et il y aura Liam. De l'autre côté il y a Arsenio et Polak, d'accord? En fait moi je vais en premier dans les toboggans comme ça. Et tout de suite après derrière il y a Palem qui part. Donc moi dès que j'ai fini le truc j'avance pour éviter que Palem il me rentre dedans. Et Liam il part aussi tout de suite après Palem. Sauf que Palem il prend un peu son temps, genre en mode pour retourner et tout. Et là, il y a Liam qui arrive en pleine vitesse, les jambes en avant, en direction des genoux de Palem. Moi, je voyais rien. J'ai levé mes genoux parce que je pensais que Palem, il allait être là. Et donc, en gros, c'était pour éviter que je lui rentre dans le dos, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que Palem, les gars, je vous dis la vérité, hein, j'ai eu vraiment chaud pour le coup parce que Palem, il aurait pu se déchirer les ligaments. En gros, Liam, il est dans le. Moi, je suis Liam. Hein. Liam, il est comme ça, l'eau comme ça, il dérange pas, mais au lieu de mettre ses jambes dans l'eau pour éviter de faire mal à Palem dans le dos, il élève. Mais il élève pile à la hauteur du genou. Et là en fait, et c'est au moment où Palem il se retourne et il est en train d'enjamber, c'est le truc pour justement éviter que Liam le rencontre. Et donc en fait il est en train d'enjamber le toboggan pour partir du toboggan. Et là il y a Liam qui arrive en pleine vitesse et heureusement que Palem il a le réflexe de pas se stopper, mais il a le réflexe de tout de suite sortir de l'eau. Mais ça s'est joué à ça les gars. C'est dire en pleine vitesse, Palem a une jambe dans l'eau et il y a Liam qui percute le genou de Palem qui a une jambe. Liam il allait déchirer le genou de Palem pour le coup et ça c'était vraiment dangereux parce que tu vois t'es dans un parc aquatique, t'es en Allemagne, personne ne parle allemand, bon il parle anglais tu vois mais ça allait être chaud. Et pour le coup c'est vraiment là les gars où je vous déconseille de faire des courses à l'extérieur et de vraiment vous attendre pour le coup. Bon les gars j'ai très mal joué ce week-end. C'est cette même attraction les gars en plus où je me suis moi détruit le dos. Liam il était là, moi j'étais là. Et en gros tu vois les gens ils sont obligés de se tenir parce que le courant il avance en fait. Et en fait moi je m'étais mis en premier dessus. Et donc en fait moi le courant je commençais à partir et Vince c'est toujours. Et tu vois comment ça part. Et donc en fait là je vois Liam qui part donc là je me dis vas-y j'y vais. Parce que tu verras le courant, tu verras la bouée comment elle va avancer. Et c'est pour ça toujours, c'est le mec au fond qui doit se mettre en premier. Et donc c'est sûr aussi ce toboggan aussi le truc. Donc c'est ça tu vois, donc là c'est un toboggan lambda. Mais tu vois là ça détruit le dos parce qu'en fait tu vois les petites séparations c'est ça fait archi mal au dos. Et regarde là tu vois c'est tranquille. Et tu vas comprendre le délire du tourbillon. Là tu vois tu prends de la vitesse. Et c'est là. Et c'est là. Tu vois là, vas-y laisse la vidéo comme ça ils comprennent. Tu vois tu fais un tour. Tu fais deux tours, tu vois ou pas le dire. Et nous on a carrément fait un troisième tour. Et là, en fait, Liam et Palem, comme ils arrivaient en premier, ils savaient très bien que nous on allait arriver quelques secondes après parce que nous avec Polak on n'avait pas respecté le délire de feu rouge t'attends, feu vert tu pars. Nous on les a vus partir. 5-10 secondes après on se dit vas-y on y va. T'imagines, t'es à la place de Liam et Palem, t'es exactement dans cette situation là. Tu sais que là il y a Palem, il y a Polak et moi qui arrivons à pleine vitesse là. Et nous on va pas se soucier qu'ils sont là. Nous on arrive en pleine vitesse pour rigoler. Et tu vois je sais pas s'il va montrer. Et tu vois là tu vas doucement sauf que là nous, là on a refait un tour là. Et là ce qu'ils m'ont expliqué c'est que Palem et Liam là ils avaient refait un tour. Mais t'imagines nous on arrive à pleine vitesse là. T'imagines nous on sort du trou à gauche, on arrive en pleine vitesse. Là lui il part là, ça y est, lui il part. Mais sauf que eux ils auraient fait un troisième tour. Nous on a refait un troisième tour. Et là en fait quand au bout du troisième tour quand on a la maillot ici là, c'est là où ils arrivent. On a mal. Oh. Heureusement à 5 secondes plus tôt, ils auraient tapé notre dos là. Les frérots regardez celui-là. Ah il est masterclass celui-là. Celui-là c'est le meilleur. C'était le tout premier qu'on a fait. Ça c'est le tout premier qu'on a fait. Tu vois t'attends là le truc vert. Là en fait t'es 4. Normalement ça, toi t'es soit 2 soit 4. Donc là c'est dans le toboggan. Pour moi ça c'était le meilleur. Et là tu vois c'est tranquille, là tu vas tourner à gauche et vraiment il y aura une big descente quand même. Mais laisse-les profiter, laisse-les. Là tu vois tu prends la vitesse. Et nous on est à 4 et en gros c'est tac. Et là ça va vraiment vite. Et là on est en mode 4. Et là par contre ça quand t'es 2 ça va pas haut. C'est pas aussi rapide.
Mais quand t'es 4, on était 4 les frères. Et tu vois, tu là, vois les trucs là. Tu vois ça là? Les trucs noirs là? Nous on était là tout le temps pratiquement les frères. Et moi je suis là. Moi ma vision que j'ai, moi ma vision elle est comme ça. Et là je vois Polak, il est en face de moi. Polak il est dos comme ça. Polak il fait un mouvement en arrière. Si lui il part en arrière, la vérité les gars, il est pas bien. Parce qu'après t'as une bouée de 3 mecs lenti qui arrivent sur lui. Et après c'est après tu retombes, etc. Mais ouais, c'était le seul truc entre guillemets toboggan qui faisait peur. Et c'est ouais, ça qui manquait un peu. Il faisait pas peur. Et encore, ouais, c'est ça. C'est le seul toboggan, tu vois, qui avait un peu de sensation forte. Aucun toboggan ne faisait peur. Bah, du coup, les gars, je vais faire le petit débrief de mon équipe. Franchement, les gars, je vous mens pas, j'ai bien kiffé l'équipe. Je pense que j'étais un peu crevé. Et j'ai pas eu le mental ni l'endurance pour faire tous les 20 matchs d'un coup. Dembou, c'est sympa, il a vraiment une belle finition, je trouve. Franchement, gros boulot. Il lâchait des pétards. Après, c'est juste son physique. Le truc, c'est que tu le touches physiquement, c'est trop léger. Mais bon, tu sais quand tu l'achètes que c'est comme ça. Marais, c'est très sympa. Comme je voulais tester Neuer, et ben, je le fais jouer MOCG. Nkunku Boulot et Manu Neuer, j'ai bien aimé. C'est vraiment une carte sympa. Je vous conseille de le tester. Si t'as envie de le tester, fais-le toi. Il faut le vendre là, par contre. Ouais, je vais peut-être le vendre là. Mais très belle carte et c'est cool. Tu vois, c'est dans le délire des shapeshifters. Moi, j'ai bien aimé. De Jong, j'ai bien aimé aussi. Mais je pense pas que ça vaille 2 millions, donc je vais aussi le revendre. Et Wilfried Zaha aussi, t'es pas mauvais. Mais en tout cas, je vais revendre tous les joueurs dans lesquels je vais. Même. Je le Koundé, je pense que je vais peut-être le garder. Comme c'est le lien avec Dembouz. Koundé, j'ai bien aimé. Franchement, l'équipe est sympa, moi je pense. C'est juste moi qui a mal joué. Hein. J'étais pas mon week-end, donc tranquillou. Allez, le premier choix. Au moins un petit shapeshifter, même si en vrai, je m'attends pas à grand chose. Enfin, ça s'attendra à rien, les gars. Ah non, je m'attends à rien, mais on va quand même essayer de paquer du lourd. Robertson. 88, 87, est-ce qu'on aura 86? Rodri, ok. Voilà ce que ça a fait les récompenses d'un Fut Champions sans être partenarié. C'est donc maintenant qu'on a notre Neymar rouge. Bravo. Profitons. Sissoko, oui. Chesney, oui. Trippier, non. Ah, il était ce soir par contre, les gars. Allez, Neymar maintenant. Loret. Oh. Quoi? Oh, le choix de taré. Il a Mahrez en plus, les gars, Liam. J'ai Mahrez, bah ouais. Oh, le choix. Tu joues à quel poste, KDB? C'est quoi la différence entre les deux? KDB, il fait MC, MOC. Ouais, c'est. Ah, c'est 400 000 l'ORNT, ça a bien baissé. De Bruyne, 400 000 seulement? Bah attends, c'est pas si dingue que ça en fait. Oh, c'est bien quand même. Non, si c'est bien, on va prendre Kevin De Bruyne. Je pensais que c'était plus cher, Kevin De Bruyne. Après, un KDB, ça reste KDB, bien sûr, les gars. Pour un 14. Bah oui. Je m'en sors très bien, les gars. Pour un 14, pour moi, je m'en sors super bien. Ouais, j'ouvrais d'abord ce pack, les gars. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est vendable. Moi, je pense, les gars, je vous dis la vérité, Liam va se faire maximum 200 000 crédits. Quoi qu'il arrive, les frérots, c'est que du bonus. Parce qu'en même, en plus, j'attends le pack de la semaine dernière. Donc, 20-0. Let's go. Mais là, t'as Tots mineur en plus. Déjà, c'est pas Tots Moments. Oh, j'ai pensé à Pedri. Ah ouais? Ouais. Pas sûr qu'il se vende pour beaucoup, mais non. Tonali? Max 200 000. Hein. Moi, c'est pas un super bon pack, je pense. Rassure-moi et rassure aussi les boys. Il y aura bien un pack à 500 000 après. Je pense plus demain parce que j'aurai beaucoup de doublons. Hein. Si je me bats tout seul, les gars, ça sert à rien qu'on arrête là. Hein. Ça sert à rien. Si je suis le seul à me battre, ça sert à rien, les gars, autant qu'on se voit en septembre. Vous pensez que j'aurai pas de doublons là-dedans, là, les gars? Si j'ai aucun doublon, bien sûr, je l'ouvre. Bon, allez. Si j'ai 5 doublons, je l'ouvre quand même. Allez. C'est normal. Ça, c'est normal. Mbappé. Ouh. Waouh, il m'a fait peur par contre, je crois que c'était Dembélé. Moi j'ai pièce baissée avec tout ça. Giroud il veut pas lâcher le club là, je reconnais. Hein. Bon allez les gars, mon pack 500 000, pack métamorphosé élite, on a 60 joueurs, noté 83 ou plus. C'est donc maintenant qu'on a du lourd. Allez, let's go pour l'équipe shapeshifter numéro 2. Ça peut cacher, ça va cacher je pense, j'espère. KDB, c'est déjà l'une des notes les plus élevées que tu peux avoir. Je suis content. 4 ans, c'est déjà bien. Prépare-toi à regarder 5 joueurs chez Fifter. J'ai pas peur de le dire. Déjà, De Bruyne, c'est un doublon. Déjà, vas-y petit à petit. Voilà. Oui, j'ai beaucoup 84 quand même. Là, ça va arriver. Regardez. La prochaine, regarde la prochaine, les gars. Regarde. Comment ça, j'ai que un seul shapeshifter? Les gars, j'ai pas peur de le dire, hein, mais les packs à 500 000, pour moi, c'est la plus grosse douille qui existe. Bah du coup, les gars, je vais vendre tous mes joueurs, là. Je vais vendre tous mes joueurs, et après, on verra, j'aurai combien de crédits. Je pense que t'auras 13 millions. 13 millions, tu penses? Ah, je sais pas. Après, j'ai aussi Koundé hein, de vendable dans mon équipe. Ouais, je pense que t'auras 12-13 millions, un truc comme ça. Les frérots, en tout cas, merci à vous de votre soutien. Merci. Du chat Twitch les gars, gros stream de plus de 6 heures. Merci les gars du soutien. N'hésite pas si t'es sur YouTube à liker la vidéo, ça aide grandement au référencement de la chaîne. Merci à toi pour ton soutien durant ces dernières vidéos. Et merci les gars. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent les gars. N'hésitez pas à vous abonner.
Gros bisous les gars et à l'interagir avec nous sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Ciao les frérots.